bac. On va aller sur ça. Je vais juste vérifier 2-3 points. Est-ce que je peux le mettre en sans écran ou même. Enfin, en plein écran, pardon. Il ira juste par rapport à Twitch. Enfin, Streamlabs. Ouais, quand je le fais, ça bug. Là, 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 là. Ah, ou peut-être parce que j'ai quitté le truc et je reviens. Ouais, non, ça a l'air d'aller. D'accord. Écoutez, on va rester comme ça. Le jeu a vieilli. Le jeu a vieilli. J'en étais conscient, mais pas à ce point-là. Donc, je sais pas du tout ce que ça va donner en termes de graphisme. Je sais pas du tout si ça va être un truc. Je suis là. Est-ce que ça va être un truc complètement dégueulasse ou autre? J'aurais peut-être dû prévoir le coup là-dessus, mais bon. Après, je sais pas, je fais Evil Within, mais bon, Evil Within, ça date aussi. Donc, voilà. Sur ce, bah, c'est parti, hein. Si, non, les commandes. Il faut que je vous remette l'image, bien sûr. Les commandes. QT. Ah non, c'est bon, ok, ça va, ça a l'air d'aller. Comment ça reprendre? J'ai jamais vu. Facile, je pense pas, parce que ça va être easy, raisonnable ou difficile. Après, difficile, je crois que je peux me faire OS en 2-2. Au pire, si je vous les fais tous, on fait raisonnable cette fois-ci, et le prochain en difficile. On verra, peut-être je vais en chier. SC Kélion, navette, j'ai pas eu le temps de lire, désolé. Accélérateur lumière, ouais. Ouais. Electronic Arts présente le film qui a bouleversé l'Amérique. Dead Space. UCG Kélion en route vers System Avis. Isaac Clark, ingénieur spécialiste en astronautique. C'est nous. Kendra Dianel, experte informatique. Zach Hammond. De sécurité en chef. Localiser vaisseau de forage. Usé chez Ishimura. C'est ça notre mission. C'est moi. J'aurais aimé parler. Je regrette. Je regrette tellement pour tout. J'aurais simplement aimé parler à quelqu'un. Tout est allé par l'heure. Je peux pas croire ce qui se passe. Étrange. Petite chose. Combien de fois l'as-tu regardé? Elle doit te manquer. T'inquiète pas, on y est presque. Tu devrais pouvoir la trouver une fois à bord. Vous avez sûrement beaucoup de temps à rattraper. Wow. Écoutez-moi, nous y sommes. Synchronisons notre orbite. Tout ça pour un gros morceau de cailloux. Attendez, oh le bug graphique. L'exploitation minière, oh, les cheveux. De l'espace. Attendez. Pourquoi? Je comprenais pas, c'était quoi le truc? Oh merde! Putain! Pas merde, pas personnalisé. Élevé, ouais, accepté. Ah, ça a rien changé. Ah, je vais me manger ses cheveux comme ça. Non, Daniel, qu'est-ce qui t'arrive? Merde, 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 merde. Qu'est-ce qui peut faire ça? Le mouvement, peut-être. Ça va là? Texture, ouais, non. J'ai aucune idée. J'enlève des choses au pif. Et J7 est une vraie mine d'or et ça intéresse. Je suis désolé, on va garder ça comme ça. Cobalt, silicium, osmium. Bon, déjà. Bon, où est-elle? Forcément que la mission elle commence mal avec une collègue qui est. C'est donc ça l'Ishimura. Impressionnant. C'est l'USG Ishimura. Plus grand brise surface de l'univers.
Apparemment, le travail a commencé. Où sont les lumières? Le vaisseau est si sombre. Caporal, faites-nous approcher et saluer. Et évitons le champ de débris. Nous venons réparer leur vaisseau, pas faire le ménage. USG Ishimura, ici l'équipe technique d'urgence de l'USG Kellion, envoyée suite à votre appel de détresse. À vous, Ishimura. Pousse-toi, s'il te plaît, sors de l'écran. Augmentez le signal s'ils sont à court d'énergie. Oui, je sais. Augmentez-le. Oh, ça sent tellement les bugs. Ces engins ne peuvent pas perdre tous leurs moyens de communication comme ça. Vous croyez qu'avec 1000 personnes à bord, aucune ne peut décrocher? Qu'est-ce que c'est? Un circuit grillé, comme on le pensait. À l'entendre, on dirait un problème d'encodeur. Allons-y avec Isaac, on pourra réparer. 48 heures max. Ok, c'est compris. On y va, allons réparer ça. Recherche gravité enclenchée. Atterrissage automatique à venir. Salut Chris. Oh putain. Je sais pas c'est quoi qui gère les cheveux. On dérive, nous allons heurter la coque. Sur les boucliers. Le rayon tracteur et HS, passez en manuel, vite. Enclenchant magnétique, vous êtes malade, annulez. Non, on peut y arriver. Caporal, ceci est un ordre. Salut Chris. J'aime bien, on se lève pas. Non. Voilà, crise des BFC. Adieu mes yeux. Putain, ses cheveux. Quoi? Mais qu'est-ce que vous avez fait? Vous voulez nous tuer ou quoi? Je viens de sauver vos fesses, Daniels. Le pilotage automatique ne tenait plus, on aurait très bien pu s'écraser. Il est bourré, mon perso. Alors on se calme et au travail. Au rapport. Je peux les jouer. Les propulseurs n'ont plus l'air de répondre, et nous avons perdu l'autopilote et le signal radio. Ça va nous retarder. Ok. Allons trouver de l'aide sur place pour réparer tout ça. Bouge pas, Isaac. Je synchronise toutes les rigs au vaisseau. Ok, c'est bon. Tout le monde se sent bien à l'aise? Non. Parfait. On a encore du travail. Tous au boulot. Non, Stachemou, meurt pas. Il a perdu ses cheveux magiques dans le crash, là, c'est ouf. C'est ses cheveux qui nous ont sauvés, en fait. Ça a ralenti le vaisseau et tout. Wow, ils ont disparu d'un coup, comme ça? L'objectif, ah ouais, d'accord. Déplacement, c'est pas trop ça. Je le sens trop lourd. Ok. On peut sauter, non? Voir les touches, je sais comment pourrait. Ok. On va sortir, mais d'abord, il n'y a pas des trucs à loot, non? Une kit de soins, allez hop. Je vais en avoir besoin, moi. C'est pas un truc à loot, ça? Non. Un porte-gobelet. Sympa leur vaisseau à double réfectoire. Daniels, merci pour tes cheveux. Les propulseurs ne risquent plus de répondre. Ils sont totalement détruits. Ah, ils sont emmêlés dans tes croyable. Cheveux. Quand j'y pense. Ils auraient porté des masques, ça aurait tellement été bien. Voilà. Isaac, venez et déverrouillez ça. C'est normal ça, hein? Oh là là. Oh, ça pue. Tenez les portes, débloquer, bloquer, ok. Ça c'est bloqué. Et c'est ouvert. Attends, parce que c'est le jeu aussi, il répond bizarrement. On dirait l'antigravité du vaisseau, elle est claquée. Je sais pas, c'est quoi qui gère ça? Qu'est-ce qui gère ça, attends? Non, ça a aucun rapport. Qualité lumière, texture, flou, flou mouvement peut-être, non? Je sais pas. Luminosité, ouais. Non, c'est bien, c'est bien. Rien, y'a tout qui glisse, genre.
Apparemment, ils étaient pressés de quitter les lieux. Moustache et Steven, il se passe un truc. La sécurité devrait nous attendre là. Ouais, on dirait pas. Je vois personne ici. Et je ne capte aucune transmission. Cette console de sécurité fonctionne. Isaac, essayez de voir ce que vous pouvez trouver. Kendra, réactivez cet ascenseur. Plus de courant! Impossible! Alors faites-le revenir, bon sang! Wow. Coup de presse. Bon, si nous coopérons tous, on s'en sortira plus rapidement. Faisons parler cet ordinateur, Isaac. Ah, j'ai pas eu ça. Utilisez le système traceur pour localiser votre objectif. B. Virgule J. B. Ok. Virgule. Je vais perdre mes yeux maintenant cette histoire. J. Tu penses que j'aurais 100 morts dans le jeu? Merde, ça sent pas bon ça. Les équipements ont morflé. Le tram ne fonctionne plus, ça va être dur de se déplacer. On dirait que l'air circule à nouveau. Bon début. Merde, c'était quoi ça? Daniel, automatique a tes cheveux. Trompé par le retour de la ventilation. Que tout le monde se calme. Ça s'est joué à pas grand-chose quand j'y pense. J'en sais rien. Qu'est-ce que c'est? Je sais pas, on n'est pas tout seul ici. Mon temps, ouvrez feu! Ouvrez feu! Kendra, lumière! Kendra! Allez. C'est bon! Il va se foutre comme ici! Les portes s'ouvrent! Foncez! Adieu. Oh putain, j'avais oublié que ça pop direct, merde. Je suis dans le caca, oui, oui, merci. Oh oh, adieu. Comment je me tape, hein. Il sera Isaac, hein. Moi non. Des bons kikos. Ah d'accord, si les choses en plus elles se déplacent, ça va être la merde. Je peux pas interagir avec ? Ah, excusez-moi. Mais j'ai pas une carte ? Le bruit me fracasse les oreilles. Ah, je peux pas parcourir. Oh merde. Ouh, ça va être compliqué ça. Je parcours avec une autre souris, ouais. La santé, ça va. Comment je change d'onglet ? Non, tape fin. Alors j'ai complètement oublié comment je joue.
Non, j'avais tout à hâte. J'ai peut-être appuyé trop vite tout à l'heure. On va voir, tiens. Il doit y avoir une console de sécurité pas loin. D'accord, mais comment j'interagis avec, frère? Ah, ok, oui, voilà. Ouh, la souris. Voilà. Prends ma précision. Ils ont tous un truc à glisser. Bon, je m'attendais déjà à mourir trois fois. Ah, je régresse. J'entends sur ma gauche. Ah, c'est le truc que j'écrase, pardon. Oh mon dieu! Ça ne facilite pas la tâche, ces conneries. Ok, une boîte. D'autres sur le chemin. Tout va bien? Ah bon? Quoi? C'était quoi ces choses? L'équipage? Baissez d'un ton. Je ne sais pas ce que c'est, mais c'est dangereux. Et la moitié des portes est verrouillée à cause de la quarantaine. On doit rejoindre la passerelle. Mais d'abord, il va falloir qu'on répare le tram. Vous êtes fous! Hammond, vous allez tous nous faire tuer! Si vous faites ce que je dis, vous sortirez d'ici vivant. Bon, qu'est-ce qui ne va pas? Le disque dur est grillé, mais il doit y avoir un double à la maintenance. Il y a aussi une rame bloquée dans le tunnel qui a besoin d'être réparée. Bon sang, tout ce qu'il nous faut est de l'autre côté de cette zone de quarantaine et on ne peut pas y aller d'ici. Nous, non. Mais moi, oui. Oui, Isaac, si on rejoint la passerelle, on devrait pouvoir accéder aux fichiers du personnel. Vous réparez le tram et on cherchera Nicole. Utilisez une écran-carte. Comme par hasard, de ouf, hein. Toujours comme ça dans les jeux. En plus, t'as toujours quelqu'un à sauver. Parce que si t'avais personne à sauver, tu dirais, ben, venez, on va au vaisseau et on se casse. Mais non. Ah, mais ils sont juste en face. C'est... Ah, ouais, non. Pas si en face que ça. Coucou. D'accord, donc en fait, quand je suis... C'est... D'accord. Merde, ça va me gêner, ça. Non, c'est pas J, c'est virgule. Non, virgule et J, ça fait la même chose. Comment j'ai fait tout à l'heure pour mettre devant moi? Mince, j'ai oublié la touche. Ça me mettait le fil à suivre. Bon, de toute façon, à ce stade, je pense que j'aurai qu'une seule route. Hein.
putain. Recharge. Je vais me faire enculer si je sauvegarde ici. J'ai tellement peur de me faire attaquer pendant que je suis dans le menu. Ah ok, oh le bruit de malade quoi. Ok, donc ça je dois aller là, je dois aller sur la côte. Mais là j'ai un point de sauvegarde qui m'amène ailleurs, on peut toujours aller voir ça mène à quoi. Mais c'est pas par là où je dois aller. Je vais prendre la porte ensuite. Ok. Ok, 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 c'est parti. Save, ça sent tellement, je vais me faire raid. Pas de pause abusif à Resident Evil. Ah bah là, là, de ouf, hein. Mais c'est pour ça, je suis un peu, je suis pas serein, tu vois. Ici Benson, l'ingénieur du tram. On a peut-être une solution pour les tuer. Mais c'est réaliste en même temps. N'essayez pas de viser la tête ou le corps. Il faut les démembrer. Découpez-les comme vous le pouvez. Démembrez-les. Et là, je dois aller sur la droite. Isaac, attention. Les tirs dans la tête ou le corps ne leur font rien. Visez les membres. Découpez-les. Ça devrait marcher. Ok, bon, quand on me prévient comme ça, c'est qu'il va y avoir de la fight. Oh le cri. Le cri, je me serais chié dessus. La stase. Ça va être quoi la touche, s'il vous plaît? Si. Attends, si. Mais je le vois pas, le si, attends. Ok, si, ça marche. Pardon, excusez-moi, j'aurais pas dû, mais au moins j'en suis sûr. Ah mais non, le problème c'est que ça bug. Oh non! Merde, j'ai stasé mais pas au bon moment. Voilà, si. La stase qui est quand même une dinguerie, hein. Et on peut pas me mettre des douilles pendant une sauvegarde, moi? Ok, par là je peux pas. Oh ta grand-mère. Oh ta grand-mère. Oh non. Il devrait être utile sur ce mécanisme. Merde. C'est quoi ça? L'huile. T'as jamais été là? Mais t'as fait les autres, c'est ça? Point de force, ok. Ok. Ouais, en fait, c'est quand je passe ici que ça s'éteint à chaque fois. Les chiottes. Ok, il est au-dessus de moi. La musique.
On va me fier un truc là. Cours. Cours avant de te faire indoctriner le fiac. Bon. Voilà. Passe fiancos. Ok. Merde. Je dois faire autre chose. Pompe à stase. Je pompe. Oh, merde. Stase-le. Oh, le jeu va être joli. Hein. Je sens qu'il va y avoir des effets tellement bizarres des fois. J'ai trop de kits de soins, c'est limite honteux. Je sais pas s'il m'a touché. Vas-y. Voilà, je me régène. Écoutez, une rame est morte. On voulait la ramener au dépôt. Non, j'ai pas fait les autres, pourtant j'ai essayé d'avoir fait les dégâts. J'aurais besoin d'un module de stase ici. Si on peut pas virer cette rame de la voie, ça va nous bloquer tout le système. Ah, je dois faire utiliser Astas ou une connerie, c'est ça? Oh, connecter les pinces pour réparer, ok. Le problème, c'est que comme j'ai des bruits de cadavres qui bougent, je sais pas si c'est un ennemi qui vient me fiaquer ou non. Non, je vais utiliser la Astas. Comme ça, ça reste plus longtemps. Stase. Ça doit faire du bruit, réveiller le quartier, ça. Beau travail. Cette rame-là bloque tout le système. Quand l'ordinateur sera reconnecté, tu pourras commander le tram depuis la salle des commandes. Fais au plus vite. J'entends quelque chose gratter dans le coin. Fais au plus vite, en mode c'est... Je suis pas dans la merde. Oh merde. Mais je trouve quand même qu'il a rapidement accepté qu'il y a des monstres. Et qu'il faut les tuer, je sais pas comment expliquer. Dans un Resident Evil, bah tu me diras aussi maintenant dans les nouveaux. Tu sais, genre il est en mode, ouais. Tu vois, Evil Within, ça a pris du temps dans le premier, genre. Qu'est-ce qui se pisse, tu vois, et tout. Point de sauvegarde. Ok. Ah ouais, en fait, je repars d'où je viens, quoi. Oh putain, il y avait quelque chose au-dessus de moi. Je vais me faire fiaquer pendant la sauvegarde. Oh putain, j'ai cru que c'était la porte, je comprends plus rien, frère. Il y a peut-être un truc qui a pop. Ça serait un problème pour futur Sinbad. Ok. On se casse, on se casse, on se casse. C'est une pompe à stase là-bas.
Mais je sais plus si la stase elle remonte toute seule ou non, je crois que non. Hein. Enfin, j'ai des recharges donc non. Isaac, j'ai contourné les systèmes de sécurité du pont. C'était pas simple, mais la porte de la maintenance est déverrouillée. Le fameux disque dur doit s'y trouver. C'est là d'où je venais. Ça vous gêne pas, je vais sauvegarder. Je crois que le pire c'était quand je jouais à Alien. Je sauvegardais tout le temps. Merde! D'accord, mais comment j'accède à la maintenance, moi? Non, mais je voulais... Comment j'ai fait ça, moi? Ah oui, c'est ouvert à gauche, d'accord. Donc je vais à gauche. Je descends. Et je vais encore à gauche. Non, jure. Merci cousine. Oh, il y a un point de sauvegarde juste à côté comme ça. Je prends un ascenseur ou un escalier? Oh, ça pue ça. Ça, il y a un moment, je vais me faire attaquer. C'est Kendra. La porte de l'entrepôt a l'air verrouillée. Il doit y avoir une clé à la maintenance. J'aime bien parce que les deux ils sont en face du tram, ils attendent tranquille quoi. C'est de la base ou c'est de l'eau? Oh coucou! Ah la musique, faut se calmer là! J'en ai vu un autre. Oh putain! Ça, réservoir plein, tu te fous de ma gueule. Oh, toi, tu me prends pour un cul, toi. Non, voilà, non, non, c'est bon. C'est quoi ce cri? Mais ce qui me tue, c'est le son. Le son, je te jure, à chaque fois, j'ai l'impression qu'il y a un ennemi derrière moi. Merde, j'ai foiré. Je suis loin en stase, ça va être chaud. Alors, comment on consomme? Oui, plus vite s'il vous plaît. Vite. Oh. Ça se voit que c'est un jeu de 2008. Hein. C'est pas par là que je vais aller, moi. Tout droit, escalier. Enfin, ascenseur. Non, y a rien d'autre? Oui. Putain, il y a beaucoup d'ennemis. Hein. Oh non, un beau jeu pour l'époque, bien sûr. Non, non, je critique pas. C'est facile de venir et de critiquer. On est à combien d'années après là? J'ai dit 2008. 10, 12. Ah ouais, quand même, 15 ans.
15 ans, c'est énorme. Ok, beaucoup de munitions, tant mieux. La stase, quand je vais aller chercher, il va se passer un truc. C'est de la stase, ça, non? Emergency supply. Life, je suis, ouais. Peut-être toujours difficile, j'aurais dû. Non, mais ça doit être le début aussi, le jeu ira chaud. Alors, je sais que c'est pas ici que je dois aller. Mais si on peut récupérer les munitions à l'avance. Evil Within, je sais pas toi, mais je trouve que le 2 il était super graphiquement, non? T'en penses quoi? Putain, non, c'est vrai, les choses elles vont se déplacer dans le vide après, merde. Fais chier. Evil Within 2, je trouve qu'il rendait super bien sur mon PC. Ok. Consomme. Non, non, attends. Pas moyen de fusionner deux trucs. Ouais, dépose, ouais, voilà. Parce que j'ai essayé le soin, c'est bien, mais si j'ai pas de munitions. Mais comment ça, l'inventaire plein? Y'a pas un. Voilà. Non. Ah, non. Voilà. Ah oui, il était nickel, hein. D'ailleurs, j'ai vu un article comme quoi on serait arrivé à la limite de la qualité graphique des possibles si un jeu ne pourrait pas évoluer plus. Bon, je pense que c'est du mytho, rien qu'avec l'intelligence artificielle. Je sais, ça n'a peut-être aucun rapport dit comme ça, mais il doit y avoir sûrement des possibilités qu'on connaît pas. À l'époque de la PS3, ils avaient sorti ça et je trouve qu'on a bien évolué depuis quand même. Attends, excuse-moi. Ah bah oui, forcément, tu veux te barrer. Ah, j'ai été gourmand, je voulais voir. Parce que vu que je peux staser... Il y a quelque chose en bas qui fait du bruit. J'entends le Klebs qui m'attend en bas, là. Je sais pas si tu l'entends ronronner. Ah mais regarde, on a rien de ça avec Sébastien. Que pourrait ton père de... Ah là, j'avoue que tu me posais une bonne colle. J'ai fait Bramble avec Unreal Engine 5. Mais je sais pas, comme ils ont vu L5, peut-être ils feront le 6 un jour, tu vois ce que je veux dire? Ou peut-être un truc complètement différent. Ça c'est bien. Ça je sais pas exploser toi. Ouais, il y avait un truc que je pouvais pas loot, mais c'est du son. Non, c'est vrai, non, je sais pas, je vois, c'est... Mais ce débat il revient souvent, Chris. Et par exemple, moi j'ai vu là, sur Apple, ils ont fait un truc qui va améliorer de 25% les performances graphiques. Donc t'appliques ça sur des PC comme le mien et tout, laisse tomber frère. Voilà, on fait ça. Voilà, comme ça je suis serein en stase. Et je peux restock des munitions. C'est dommage qu'on peut pas fusionner le heal en double heal.
Ah, moi, l'histoire de l'intelligence artificielle, je pense que ça va débloquer des choses. Je sais, ça a peut-être aucun rapport, ça, les trucs graphiques, mais. Soit on fera un truc, dans ce cas-là, on aura atteint un certain réalisme et on pourra pas faire plus. Soit peut-être ça sera pas visionnable à l'œil nu, et dans ce cas-là, je sais pas, ça sera le tour de se tourner vers la réalité virtuelle. Ou au contraire, faire des œuvres qui soient pas. Qui soient un peu comme Zelda Wind Waker, tu vois, genre avec un style graphique particulier. C'est ça que je disais. Ça, disque dur manquant. Ah oui, pardon. Je crois que j'ai la carte et il est là. Ah non, mais je suis bête. Mais qu'est-ce que je vais aller foutre alors? Ouah! Je n'ai pas trop le disque dur, d'accord. Ok, pardon. Je vais jurer, j'avais ramassé une carte. Je pensais que c'était ça en fait. Mais non, c'est la carte qui doit me permettre d'obtenir le disque dur. Alors innover pour sortir la masse, autant dire, vive, ouais. Mais Nintendo, par contre, je sais que eux, ça va absolument rien changer pour eux. Nintendo, ils vont être là, bah écoute, nous, ça change rien. Parce que... En fait, ouais, ceux qui vivent sur les graphismes, ils vont être dans la merde. Mais ceux qui vivent pas... Enfin si, on vit tous quand même sur les graphismes, tu peux pas faire des trucs de merde. Même si le dernier Pokémon, je sais qu'il y a eu des critiques, mais... Ok, ici je dois faire quoi? Ah, je pouvais pas ouvrir tout à l'heure, c'est vrai. Et c'est là-dedans que j'avais vu un truc qui brille, oui, mais putain. Ah, le soin il est pas apparu tout seul, frère. Hein. Double soin, ouais, non, il me faut le double soin. Le double soin. Je suis étonné qu'on puisse pas stacker le soin. Mais putain. Mais toi, tu penses qu'Ubisoft, ils vont se péter la gueule, toi? Point de force, c'est qui? Ça, c'est... Je l'utilise, ça, moi? Il fallait juste demander. Ok, ok, ok. Qu'est-ce que je peux améliorer? Plus de force, plus d'air. Ça peut être utile. Plus de force, je mets des coups, j'économise les munitions. Module, énergie, durée. Après, si je fais ça, ça veut dire que je peux utiliser plus souvent la stase. Et si je fais ça, j'utilise moins de munitions. Tu sais ce qu'on va faire? On en foutra, on se... Oh là! Énergie de 20, ouais. Énergie, parce que durée, on s'en fout, j'ai assez de temps pour le moment. Ah bah là, ouais, non, c'est sûr. Ah merde, c'est-à-dire ça me coûte 2... Quoi? C'est-à-dire que je suis obligé de mettre un point dans le vide? Ah ouais... Ah ouais, t'as pas les bonus tout de suite, les enfoirés. J'aurais dû mettre ça en munitions. Mais oui, putain, regarde, dommage. Capacité, je... Oh là là. Mes points, mes points. Ouais, mais là, c'est vrai. Je suis d'accord que... Mais tu sais, j'ai remarqué, il y a beaucoup de choses. Il y a ça, il y a les réseaux sociaux et tout. Mais en fait, ils ont grave pris la confiance, en vrai. En vrai, je te jure, les réseaux sociaux, YouTube, tout ça, si on a un autre qui sort, ils se la prennent dans le derche. Facebook, YouTube, Twitter, t'arrives à en faire un qui est clean, ils se la prennent dans le derche. Après, le problème, c'est qu'il faut avoir l'argent et les trucs. Tout ce qui est jeux vidéo, je suis d'accord avec toi. Très bien, Isaac. Ramène ce disque aux commandes du tram et connecte-le sur l'ordinateur. Ouais. Ça devrait pouvoir relancer le système. Ok, je vais pas me faire fiaquer d'avant. Coucou! Voilà, bah oui. Je me disais bien, je t'ai pas tué, toi.
Sa carcasse, ça me disait rien, frère. Oui? Non, non, je suis d'accord. Je suis d'accord qu'ils en branlent pas une maintenant. Mais après, est-ce que c'est leur faute, Chris? Ou est-ce la faute du consommateur? Je vais te donner un exemple un peu nul, mais... Hanouna. On est d'accord? Oh putain. Tu vois? Juste en parler de lui, c'est ça manique ma vie. Oh. Ça va faire un beau clip, ça. Le mec, il dit Hanouna, c'est l'écoute de la vie. Ah, mais je vois pas. Je vois pas ma vie, elle est où? Ouais, elle est dans mon dos, je sais. Ah, voilà. Faut... Je repars chercher le sang que j'avais laissé derrière. T'as vu, j'ai parlé d'Hanouna, ça m'a coûté la life. J'allais dire, tu vois, Hanouna, il fait de la merde. Je pense qu'on peut le dire, symboliquement, quoi. Mais est-ce sa faute? Oui. Mais est-ce aussi la faute des millions de personnes qui vont le regarder chaque jour? Tu vois ce que je veux dire? Certes, bah après, c'est peut-être un mauvais exemple, parce qu'on te le met à la télé, quoi. Mais même là, bah, tu me diras, tu peux zapper, te démerder tout seul. En fait, il y a des bruits d'ambiance, c'est pas des bruits de monstres. Pas que symboliquement. Non, non, bien sûr. Mais même symboliquement, quoi. Je veux dire, c'est. T'as vu quand il y avait l'histoire des émeutes en France? Il était triste. Il était triste. Il a fait, oh, je suis vraiment triste d'être en vacances. Et... En fait, il était dégoûté parce qu'il aurait pu se faire du profit là-dessus, en fait. Tu vois la dinguerie ou non? Il était en mode, oui. Et c'est pour ça, tu vois, c'est est-ce que c'est le spectateur? Est-ce que c'est ça? Et c'est un peu, pour moi, c'est un peu la même dans les jeux vidéo. Quelque part, prenant le cas de Nintendo, tu vois, c'est vrai que j'ai acheté le dernier Pokémon, ça fait longtemps que j'y avais pas joué, moi, à Pokémon. Mais quelque part, bon, je vais m'innocenter, parce que je suis jamais coupable. Responsable, mais pas coupable, je suis comme les hommes politiques. Mais, Nintendo, par exemple, bah les mecs, pour les graphismes de Pokémon, ils ont fait un beau chiffre d'affaires. Ils vont se dire, qu'est-ce que je me casse les burnes? Parce que Nintendo, je les kiffe, mais hey, imagine demain, tu me fais un Zelda Breath of the Wild Pokémon. Je sais pas, au moins cette qualité-là, ça aurait été une dinguerie. Tu vois ce que je veux dire? Et eux, ils ont pas bougé, ils sont là, ouais, ça va, et toi, au boulot? Ouais, ça va, tranquille. Attends, j'ai mon chéri qui m'appelle. Ah non, elle vapote? Non, alors regarde. Ah ouais, non, sur Twitter, Simad, il a dit ça. Ça appelle vie, hein. Initialisé. Les rames sont opérationnelles. Oh, Ubisoft, ils m'ont fait chier avec la licence Assassin's Creed. Vous auriez pu faire tellement plus de dingueries, frère. Ok, mais moi je fous pas. Parfait, on est à bord, vers la passerelle. Bien joué. Je vous rejoins pas. Étrange, la quarantaine semble levée. Notre comité d'accueil a dû partir, et tant mieux pour nous. Isaac, revenez au Kélion et préparez le départ. On inspecte la passerelle et on vous retrouve là-bas. Si on est encore en vie. Vous êtes suicidaire, Hammond. C'est de la folie, on va tous mourir ici. Votre manque de confiance envers moi est bien enregistré, Daniels. Mais j'ai une mission à accomplir et c'est exactement ce que je vais faire, avec ou sans votre aide. Est-ce que c'est bien compris? Sortez-nous d'ici vivants. Si, je vais être honnête, imagine on est deux soldats, on est dans cette situation, on peut lui dire, va te faire foutre. Et puis on se casse avec le vaisseau, non? Franchement, je te jure, j'aurais déserté, frère. Je refais, tout le monde est mort, c'est triste, hein. Tout comme l'éducation est nivelée par le bas. Oh bah là, c'est l'époque, frère. C'est l'époque de la médiocrité. La médiocratie. La qualité des divertissements a suivi pour créer de bons moutons décérébrés. Faut pas leur demander de réfléchir et les laisser réagir à l'émotionnel pour étouffer toute rébellion. Bah là, c'est sûr.
Et si demain il y a une rébellion ou des trucs, bah on va se démerder pour que la rébellion ce soit une rébellion dite horizontale, mais pas verticale. C'est-à-dire on va se bouffer entre nous pour diverses régions. Mais ouais, donc je fais demi-tour. C'était quoi ça, ce tut? Ah voilà. J'ai vu qu'il y avait une boîte de l'autre côté. Là, ça se pète, boum, coucou. Ouais, je trace pas, j'aime pas. À chaque fois, c'est l'eau, ce qu'on veut. Qu'est-ce dans la boîte? What's in the box? Ouais, couper leur... Ah tiens, j'avais pas vu. Ça disait couper leurs membres. Y'a un mec qui a eu le temps d'écrire ça avec son sang. Ouais, l'ascenseur va tomber, c'est ça? Pourquoi les ascenseurs dans les jeux d'horreur c'est toujours la merde? Ok, je t'ai vu. Il était déter. Ah ouais, non, de ouf. Parce qu'en plus, l'écrire et tout. S'il fait avec son propre sang, il aurait dû mourir. C'est le homard m'a tué vidéo galactique. Non, toi, tu me prends pour une fesse, toi. Chérie, viens pas. Non, non. Oh putain. La musique, elle me gêne plus qu'elle m'aide. Hein. Je crois qu'il est mort. Et par contre, il va me fumer. Recharge, recharge, frère, au lieu de... Recharge au lieu de jouer au héros. Ouais, ça, c'est le tout début. Isaac, on est à la passerelle. C'est un vrai cauchemar. Ils sont tous morts. Non, on jure. C'est l'ordinateur principal. A plus tard. Mais je comprends pas, tu sais, il y a une dinguerie comme ça. J'aurais été, on repart tout son vaisseau, puis basta. Après, c'est vrai qu'il y a sa femme, il aurait pas voulu. Mais je te disais, ouais, non, tu vois, c'est... C'est comme aujourd'hui les jeux, tu vois, on est obligé d'être pris main dans la main. Moi, le premier, je regarde ma carte. Non, je rigole. Mais tu vois, le délire, non, c'est... T'as raison pour le côté un peu con, quoi, décérébré, c'est vrai. Ça s'écrase sur ça. Tant pis, je serais resté dedans, je me serais assis. J'aurais attendu. Je serais allé chercher. Les deux autres, je sais pas si elle a un fusil, l'autre, j'ai pas fait gaffe, mais je serais allé chercher des munitions, des trucs, et basta. Voilà, je repars au vaisseau. Ça, comment je vais le péter, ça? Ouais, voilà. Ok. J'ai pas compris d'où il est sorti. Oh là, ça lag. Oh, waouh. Pourquoi ça laguait comme ça? Qu'est-ce qui se passe? C'est l'anti-crénelage. Le problème, c'est que des fois, tu vois, je sais qu'il y a des choses qu'il faut pas que j'active, même si j'ai un PC de ouf. Mais franchement, je sais pas quoi, frère. C'est juste, il m'a dit qu'il y avait des trucs à mettre et à pas mettre. Le flou, non, je sais pas, peut-être ça, on va voir, je le sais pas. Polissage, mouvement, non. Je trouve que ça va être dur de repartir.
ça va bien. Jure. Wow! Je suis mort là. Ah ouais, le vaisseau il attendait le moment idéal pour péter. Je suis mort. Non, c'est une dinguerie scénaristique ça. Ah ouais, le vaisseau il y a un clando, il explose. Imagine demain tu prends le TGV, il explose frère. Oh, j'ai plus de stas. Oh la merde qui vole. Wow, doucement le Klebs. La recharge t'es loin. C'est Sora ça. Bon sang, qu'est-ce qui s'est passé? Et le vaisseau? Comment? Le vaisseau en mode c'est ma faute enculé. C'était notre seul pardon. Retour. Kendra. Non Hammond. Là, ça change vraiment tout. Mais taisez-vous. Vous pouvez accéder aux commandes. Ça va pas. Les systèmes principaux sont bloqués aux employés de base. Sans l'autorisation du capitaine, aucun moyen d'y accéder. Bon, et où est-il? Le voilà. Capitaine Benjamin Mathius. Situation? En soins. Statut? Décédé. Quoi? Merde. Quoi, merde, j'ai étonné. Trouvons le capitaine et nous aurons ses rigs. Avec ses codes d'accès, je pourrais pirater cet ordinateur. Bordel. Isaac, je vais renvoyer le tram vers votre position. Allez à l'infirmerie et trouvez ses codes le plus vite possible. C'était quoi? Putain. Quoi, bordel, hey, il m'a fracassé. On n'a pas rencontré une seule personne vivante, on est d'accord. Sauf peut-être moi au début, j'ai vu un mec se faire becter là. Je parle pas des deux soldats. Hein. Mais le mec, t'as fait quoi, merde? En mode, il est mort, en mode, c'est étonnant, tu sais. Oh non. Ok. Oh merde! Kaboom, j'aurais kiffé, tu sais, c'est Sora qui apparaît comme ça. Sora l'aurait dit Kaboom en même temps, j'aurais pleuré. Oh putain. Bon, ça, je suis jamais venu. C'est quoi? Oh non, mais le jeu aussi, s'il me rajoute des trucs qui boulent. Le jeu il est pas avec moi hein. Alors moi je dois aller où? Ok, je dois prendre ça. Ça c'est une salle vide. Donc c'est une salle à cadeaux ou en merde. Ou les deux. Ouah, c'est quoi ce bruit? Qui a envie de pisser dans ces conditions? Save yourself, il allait écrire. Ok, 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 l'inventaire je vais le prendre. Chut, ta gueule. Hit me, c'était écrit. Hit me. They ate my boy. Alors je sais pas s'ils ont mangé son enfant ou c'était une façon de parler. Je ne peux pas m'ouvrir ici, I can die here. Not yet. Not. J'arrive pas à lire les deux derniers mots. Not. Je sais pas. Alors au cas où t'es bête, la sortie dans les chiottes. Ah non, le jeu me fracasse. Je peux pas l'utiliser. Dépose. Le double soin. Faut vraiment que j'améliore l'inventaire si on peut. Encore un ascenseur. Ouais. C'est pour l'immersion. Alors je sais pas c'est quoi parce que j'ai dit tellement de choses. Le hit me ou la sortie. L'ascenseur. Hanouna. Ah mais je vais faire un clip avec Hanouna. Je parle d'Hanouna, le mec hip-hop, il veut me tuer. Ça c'est bien, ça c'est super. J'ai beaucoup de heals qui me prennent de la place. Ah la sortie. C'est quoi ça?
Ah, je peux acheter des trucs? J'ai complètement oublié, frère. Chris, j'achète quoi? J'achète ça, je pense. Améliore l'inventaire et l'armure, hein. Touche pas à bas. Eh, hey, j'avoue, on va me fumer sur, sur Twitter. On va faire ça. Meilleur inventaire, meilleure armure. Voilà. Vu que j'arrive pas à... J'ai limite envie de faire demi-tour pour les choses que j'ai pas loot maintenant, mais... Flemme. Mais dans la réalité, c'est ce que j'aurais fait. Dans la réalité, je sais que c'est dangereux, mais je sais que je suis là pour un moment maintenant que le vaisseau est pété. Ah ouais, je vais prendre tarif de malade, frère. Après, peut-être aurais-je dû prendre une nouvelle arme. Mettez ici des objets dans votre inventaire. D'accord, mais comment je fais? Le coffre, il est verrouillé? Ok, je comprends pas. Peut-être c'est à partir du menu, comme ça? Ouais, trois passes en plus, déposer. Non, c'est pas comme ça, merde. Ah non, le coffre est verrouillé. Peut-être que je dois faire un truc d'abord. Alors non, j'ai pas de point de force, donc ça vaut pas le coup, je crois, non? J'ai pas fait gaffe. Ouais, non, j'ai pas trop réfléchi. J'ai investi dans la stase et je sais pas si c'était une bonne idée vu que j'ai pas pu rentabiliser le truc. Bon, on va se barrer, hein. Mais pourquoi le coffre il est pas accessible? Ça, je comprends pas. Attends, je. Désolé, hein. Je tente de. CTRL et B le fil d'Ariane, d'accord, et moi je me fais chier. CTRL B. Voilà. Bien sûr, je suis un décérébré. Mais ça m'a dead, je te jure, Chris, ça m'a dead. J'ai dit Hanouna, le mec il a fait quoi? Touche pas à papa! Épisode 1 terminé. Merci. Oui. Oui. J'aurais dû fouiller le tram, ça se trouve il y avait un truc, frère. Oh putain! Oh le bug graphique! Enfin, le bug tout court! Arrête de bouger! Oh putain de merde! Touche pas à papa! Attends, c'est pas mon ami ça, c'est Kendra? Non! C'est qui ça? Attends, hé! Hey, tu vois pas ce qui se passe, cousine? Il y a des cadavres qui volent! Putain de merde! Sale bête! Pas perdre des munitions pour cette merde. Ça c'est quand t'attends tout le tram, ça. Tu vois, ça c'est les gens en Île-de-France quand le train il passe pas. Putain, même son cadavre il... Mais qu'est-ce que c'est que cette merde? Merde, mais pourquoi? Mais j'ai... Qu'est-ce qu'elle racontait? Non mais mordieu. Elle s'est fait cadavrer.
Est-ce que je recharge la sauvegarde ou non? Je saurais jamais ce qu'elle me raconte, cette dame. Putain, ça me fracasse, quoi. Ça meurt pas, hein. Patrick, je t'entends plus. Oh ouais, ouais, non, attends, je suis juste à côté, je peux reprendre. On peut charger une sauvegarde? Ouais, j'ai quitté. Ouais. On va voir, attends. On va essayer de voir qu'est-ce qu'elle raconte, cette femme. Ça doit être le bug des cheveux. Oui, j'ai remis l'anti-crenellage. Je vais recharger son anti-crenellage, ça doit être ça qui le provoque. Ok. Ma vraie crainte, c'est merde, bah, j'ai oublié de l'enlever. Putain. Ma vraie crainte, c'est si ça fait ça pour des choses qui sont pas des mobs, je peux gérer. Si c'est un mob, il commence à bouger bizarrement. Par contre, je suis dans la merde. Putain, à chaque fois, ah mais non. Quoi? Chaque fois, je parle de. Chaque fois que je parle de Baba, ça me fout dans la merde. Oh tant pis, va falloir l'accepter. Bon, qu'est-ce que tu racontes, cousine? On va s'intéresser à ton histoire. Elle m'a dit est-ce que je peux, je crois, elle voulait sauter comme les autres en fait. Ok. Mais ça me pompe pas de l'énergie? Tiens, je vous demande des conditions déplorables. Pourquoi le coffre n'est pas accessible? Il faut que j'achète un accès, quoi. Peter, non. Ah, mais moi je veux bien mettre, mais comment je mets? Est-ce que j'active le menu? Je peux pas. Ah dommage, je sais pas stocker, je comprends pas. Il doit y avoir une touche que j'ignore. Ah non, justement ça a été kinésie. Ah super, attends. Ça va en bloquer certains dans le baba là. Reviens. Voilà. Alors. On les a pas tous enfermés, je crois qu'il y en a un dans qui a pris le RER. D'accord. Lance-flamme. Ok Chris. Ok. Oh wow. Je vais aller avec ses amis lui. Flamme 11 000. Ok.
En vrai, dès le début, tu peux avoir v'là les armes. Ok, c'est là où ça commence. Vous êtes là? Ils nous ont trouvés. Kendra a disparu. À l'instant, elle était là et je n'arrive pas à croire que je l'ai perdue. Il reste un espoir. Ramenez-moi les codes du capitaine et nous trouverons Nicole. Ouais, mais je dois aller à l'infirmerie pour ça. L'équipage a dû barricader la porte menant aux urgences. Va falloir la faire sauter pour aller là-bas. Cherchez de la thermite dans la pharmacie. Et quelque chose comme un défibrillateur. Ça devrait être plus loin. Merde, je capte rien avec ces interférences. Comment ça se fait qu'il y ait ça? Comment ça se fait qu'il y a une bombe à thermite dans la pharmacie? Enfin, bombe thermite plutôt. Que bombe à thermite, mais... J'ose plus dire le nom d'Anuna. Ok, donc c'est par là que je dois aller. L'autre façon, il y a un long chemin. On va aller par là vu que c'est la route. Oh non, mais c'est pas possible. D'accord. Mais là c'est pas possible, il a été multiplié par deux le truc ou quoi? Est-ce que à chaque chapitre les mecs ils rebondissent de plus en plus? Parce que dernier chapitre c'est mort. J'aime pas du tout ça. Parce que j'imagine que ça doit être un peu comme la morgue. L'inventaire, ça s'emplit vite cette merde. Oui. Anomalie dangereuse détectée. Activation quarantaine. D'accord. Oui. J'entends, mais je ne vois pas. Ok. Bonjour, monsieur. Oh putain, j'en ai trop. Oh non, si je stage dans la merde aussi. Merde. Vite, 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 recharge aujourd'hui, frère. Recharge aujourd'hui. Merci. C'est bien, moi qui voulais utiliser du soin. Lui, il aurait pu me fumer dans... Bien, c'est cool. On a fait de la place. Oh, après, il recharge pas tout de suite cet escroc. Ok, et lui, il est pas venu par la porte. Ah ouais, ça se renferme. Oh là là. La technologie, je vous jure. Là-dedans, je vois bien qu'il y a un truc. Non? Ok. Ça crée rien avec la télékinésie, ça marche pas. Dommage, ouais. Je peux pas prendre le truc et le ramener dans ma poche. Allez, deuxième vague. J'ai vu que j'ai un truc à stase à gauche. On va essayer de le prendre avant que ce putain de merde. Est-ce que ça a rechargé? Non, bah non. Eh merde. En plus, ça saute vite, ça. Oh
Ah ouais, d'accord. Faut jouer... Ah, oh, waouh. À deux. Oh putain, je l'ai pas vu lui. Il y en a encore un autre. Oh, il y en a encore un trois. Wow, je vais prendre tarif. Remonte. Voilà. Alors. Hein? Qu'est-ce qui se passe? Il a l'air d'avoir un sacré... Il y a trop de bruit là. You, le petit Klebs. Voilà. C'est pas... Vous êtes combien? J'ai tué tout le monde? Moi je suis pas serein moi. Ah non, 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 cousine, non, non, quarantaine levée. Attends, attends, attends. T'es vachement sûr de toi, hein. Ah ouais, non, je vais kickos tout le monde, là. Je suis désolé, hein. Ils arrivent, ouais. Merde, je suis un vampire. Jurgens a accepté de me montrer cette vidéo fournie par la colonie. Et ce que j'ai vu, mon Dieu, incroyable. J'ai vu ces colons se transformer en des êtres absolument prodigieux, un vrai miracle. En tant que fidèle de l'Église, je souhaite devenir l'un d'entre eux, mais le scientifique voudrait connaître leur secret. Je dois étudier un de ces nécromorphes, comme Kain les appelle si bien. Je dois observer le processus d'infection. Pourquoi pas sur ce nouveau patient? Critique religieuse. Une malédiction peut bien causer tout ça. À mon avis, vous n'y êtes pas du tout, docteur. C'est l'œuvre de Dieu. Je connais cette voix. Je n'en suis pas si sûr. Tous les problèmes rencontrés sur la colonie semblent être liés au monolithe. Vous pensez ce que vous voulez. Moi, je sais. Le monolithe est c'est la voix de Bruxelles, gros. Divin, vous le savez. Et ses voix sont impénétrables. Si vous le dites, elle sera abordée demain. Vous pourrez l'étudier sans restriction. Qu'est-ce qui vous tracasse tant? Tracasse? Ouais. Capitaine, des gens meurent là-dessous. S'entretuent. Est-ce que c'est ça, la transformation enseignée par l'unitologie? Docteur. Terence. La pneumologie. Il y aura toujours des risques, si l'enjeu est de taille. Dans ce cas, il est énorme. Ça pourrait tout changer. C'est bien ce qui m'inquiète. Oui, un doubleur énorme dans le jeu. Ah ouais? Le mec de Russell Crowe? Je savais pas. Oui, la musique, qu'est-ce qui se passe?
Ça fait chier que je puisse pas stocker quoi. Attends. J'ai entendu ça. Je crois que c'est la voix de Russell Crowe en français, mais je suis pas sûr. C'est là où je veux aller, c'est là où je vais pas aller. On va d'abord fouiller le reste. J'aime fouiller quand il n'y a rien. Là. Oui, la musique, qu'est-ce qu'il y a? Ah non, ok. Walter dans Fable 3, Duncan dans Dragon Age, et j'en passe. Ok. C'est pas du tout nous ça. Oh merde, comment je screen? Attendez un instant. Faut que je fasse un screen. Demain je vais me mettre dans la merde avec les fans d'Hanouna. Mais je vais me mettre aussi dans la merde avec les Américains. Je vais faire les Américains en 2500. Ouais, sauvegarder c'est pas mal, hein. J'avoue que là, oui, ouais. C'est intéressant. Il y a eu un bug en termes temporels, ça a dit j'ai fait 3 minutes. Je connais Dieu, je n'ai pas peur. Il n'y a pas de dieu, non, no god, no fear, et no god, no fear. Ok, ça se fait de la même manière, mais c'est pas du tout le même truc. The project on the refuge, the simple... J'arrive pas à lire. Run and hide, ouais. Ne reste pas ici. C'est pas... Ouais, ok, c'est pas safe pour n'importe... Ok, ça marche. Oh merde. Je sais pas si c'est moi qui gère bien, et c'est pour ça que j'ai autant de trucs à ramasser et je peux pas. Ou si est-ce que j'ai un... Ouais non, bah dans ce cas là on va laisser la place à un double heal, je suis désolé. Merde, j'étais re-ramassé. Tu vas mourir. Ouh, ah oui, quand même. Ok, une petite merde. Est-ce qu'il peut me headshot? Merde, j'ai pas eu le temps d'appuyer. Oh, il m'a fait mal. Voilà, si je voulais utiliser du soin, ça va être fait. Oh, cool. Ok. Peut-être ça valait pas le coup d'utiliser un double soin. Non. Non mais ok, le soin, je t'ai compris frère, mais c'est pas le soin que je veux, c'est la munition. Oh la dinguerie. Voilà, pousse-toi. Oh le Kiko, ça m'a fait plaisir.
Elle fait aller, ça me fout le camp. Ouais, une base des munitions que je vais reprendre. Non ? Ah oui, voilà. On fait ça, plus la save et on reprend la route. Ouais, donc c'est. Je sais pas pourquoi ça enregistre pas l'heure. Donc au lieu que ça me dit 1 heure, ça me dit 12 minutes. C'est chelou. J'ai des bugs ou je sais pas, est-ce que le jeu est vieux et le passage du jeu sur, je sais pas, ça a pas été optimisé. Par contre il m'a fait mal et je sais pas si c'est moi qui a pas agi. Oh mon dieu. J'avais pas bien vu mon environnement. Putain de merde. Intéressant, c'est-à-dire ils peuvent faire des êtres humains comme ça. C'est dans le film Man of Steel, ça avait marqué, parce qu'en gros ils faisaient ils portaient plus les êtres humains quoi. Oh putain, bien joué! Merde, je vais balancer un module dans la gueule là. Je sais pas qu'est-ce que je vais balancer, le pauvre. Petite merde. C'est quoi ça? Oh! Des bouffes? Un fœtus? Je sais même pas ce que c'est. Par contre, on dirait un go-out cette merde. Comment ça, j'ai plus de munitions? Non, bien. T'as rechargé? Ouais. Arrêtez les bruits de bébé. En plus, c'est une petite musique de bébé. Ah non, c'est quand même les femmes qui les portent. Je comprends plus rien. Ah, c'était la salle où je voulais aller. Ok, non, on va prendre pas la thermite, parce que je sais que dès que je vais la prendre, il va se passer un truc. Parfait. Avec cet explosif, on va faire sauter la barricade. Il nous faut un défibrillateur. J'espère tenir ma position. Il y a des bruits inquiétants par ici. Ok. Lumière s'est éteinte. Hanouna ? Ah, c'est les cadavres derrière que j'ai stasés, pardonnez-moi. Ah oui, je crois que si j'améliore la stase, je peux en staser deux en même temps. Ah, de ouf. Je repars vite fait chercher les munitions. Hein. Mais le cadavre m'a limite gêné parce que j'étais en train de le regarder, c'est en train de valdinguer dans tous les sens et tout. Il n'y a pas un autre truc par là? Non. Je sais pas combien. Est-ce que ça vaut le coup de faire pour, pour une balle non, tu vois. Encore, j'aurais eu de la place, je dis pas, mais. Que j'ai amélioré l'équipement pourtant. Ah, c'est le nouveau voilà. Celui de la saison 1. Est-ce que je peux vendre au moins? Je peux acheter le lance-flamme, mais moi je veux ça là, c'est ça. Oh
En vrai, ça descendrait mes munitions très vite. Je vais acheter un autre point de force pour améliorer mes tirs et mes trucs. Peut-être jouer sur la force en vrai, non? J'ai pas encore besoin des munitions, non? Enfin, je sais pas. Je vais acheter le point de force. C'est peut-être l'erreur de la partie. Ah non, tu peux en acheter limité, d'accord. Et comment je vais vendre cette merde? C'est ça le problème. Donnez-moi quelques secondes. Merde, c'était quoi? Ouais, stock. Dead Space. PC. Voilà, bug PC quand j'ouvre le store. Non, le jeu n'est pas pire. Oh là là, ça date de 2011. Oh, les débats de cons. 9 ans après, toujours le même problème. Bah, c'est même pas 9 ans là, 11. Attends, c'est 12 ans après, frère. D'accord, mais personne n'explique comment ça s'arrange. Stock, bug. Ouais, non, mais moi aussi, pour chercher avec les Français. Voilà, ah, je vais plutôt I can't sell Dead Space PC. Tiens, je vous ai pas mis l'écran Be Right Back. J'espère que le jeu il a Chris au fait. À part tout à l'heure là où il y avait eu un truc vers le vaisseau. C'est l'énigme item. Ah voilà. I don't see how you put stuff. Just select what you want to put in your safe by highlighting it when you're using a store. Press E and select move. Ah. Oh là là. D'accord. En gros, il faut que je fasse déposer quand je suis devant le stock. Attends, maintenant il est par terre. Oh, le cadavre, il commence à me vénère. Non mais, oh putain, je peux plus ramasser mon truc. Oh là là là. Oh, je suis en train de me tirer une balle, frère. Non mais viens, s'il te plaît, viens. Oh putain. Oh, je vais me tirer une balle. Je reviens vite fait, il faut vraiment que je trouve comment je gère le stock. Parce que c'est à la fois j'ai trop de choses sur moi, mais pas seulement. La 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 la. On va faire bug stock. Ouais, mais le stock, est-ce qu'il s'appelle stock en anglais? C'est ça le problème. Ah, the store doesn't show. Deep of field. Deep of field. Ok, on va tester un truc.
En gros, il faut que je désactive un truc graphique. C'est peut-être pour ça que ça saute de partout. Deep of field, qu'est-ce que ça peut être? Profondeur de champ? Peut-être qu'il faut le sauvegarder et je relance aussi pour qu'il n'y ait pas le bug. Ah mais ça va me sauvegarder l'objet qui est là. Viens. Ah oui, maintenant il est encastré cet enfoiré. Si je me mets comme ça. Je vais pleurer. Je sauvegarde, je relance. Enfin, je relance, je pars et je reviens, quoi. Oh, j'avais autant de save. Putain. Ok, on quitte. On revient. J'ai plus le Deep of Field. Et déjà, j'ai pas les... Bah si. J'ai l'impression d'être plus lent d'un coup. Attendez, j'appuie sur toutes les touches. Non. Bref, ça me fait partir. D'accord, non, non, c'est bien, c'est bien. D'accord. Et là, je tiens. Non, ça c'est un screen. Oh putain. Dox, qu'est-ce que tu fous là? T'es pas sur Diablo? Tu vas bien? Bah non, y'a rien qui gère. Putain. Fais chier, je peux pas vendre quoi. Et si je recule, ça vient pas, non? La pièce, tu peux interagir. J'ai une sorte de bouclier, ouais, j'ai vraiment enlevé l'objet au mauvais endroit. Ah bon, super. Cadavre utile. Tu joues quel perso tu joues un druide alors? J'arrive pas à vendre, je suis désolé. Ça me fait vraiment chier quand même. Ouais, faut que je mette le truc thermite, mais je reviens. Je vais améliorer vite fait les points que j'ai là. Je sais pas c'est quoi qui provoque ce bug. Mais bon, c'est un ancien jeu. Tiens, y'a plus le cadavre de la dame. Ah, y'a pas le truc, mais non, c'était avant sur l'autre quai, fait chier. Ça va sinon, tu vas bien, le petit va bien. Ouais, c'est phasmophobia, ouais. Ouais. Bon bah, thermite nécessaire. Mais attends, je suis allé foutre quoi moi depuis tout à l'heure? Ah, j'avais besoin d'aller là-bas pour aller là maintenant. D'accord. Ok. La lumière, c'est pour les connards, c'est ça? Oh! De toute façon, je peux pas télékiniser le fiac.
C'est un cadavre, un zombie. Je peux pas lui tirer dessus. Oh merde, le bug. T'imagines, ça franchement, ça serait grave flippant, tu vois un mec qui fait ça. Pas qui se tue. Il fait ça et après il devient une super majorette là. Oh non, ça bug. Non, il marche au plafond. Ça va être compliqué si ça bug par contre. Sur un ennemi vivant. Un ennemi mort, j'ai pas de soucis. D'accord, ça c'est pour me prévenir. Il y a des caca, verrou de force. Mais comment ça fonctionne le verrou de force? Si c'est un point de force pour brider. Putain, ça coûte cher cette merde. Il y a quoi dedans? Des trucs que je peux pas loot parce que j'ai trop de trucs. Oh mais il y a beaucoup de munitions en vrai. Il y a un triple son. Oh là là là. Ouais, j'ai enlevé la profondeur de champ. Je sais pas pourquoi ça m'a ralenti le truc par rapport à tout à l'heure. Mais je pensais que ça allait récupérer par rapport au stock. Je sais pas c'est quoi le rapport pourtant, mais. En effet, j'ai l'impression de marcher plus lourd depuis que j'ai enlevé ça. Il y avait quelque chose, n'est-ce pas? Oui. On l'a trouvé. Alors, tout était vrai. Tout ce temps. Ne nous emballons pas trop vite. Non. Ce que j'ai vu n'avait rien de divin. Il est enfin là. Nous sommes ses premiers apôtres. Mathius n'autorise personne à descendre sur la colline. Je m'avais dit Ventox pour le truc. Jusqu'à nouvel ordre. Mathius ne sait rien. Un CG qui galère, absolument pas. Tu rigoles ou quoi? Rien ne compte plus, que ce soit l'opération ou une CG de malade mental maintenant, frère. Elle est notre délivrance. Mais taisez-vous, bon sang. Des gens sont morts là-dessous. Les faibles et les profanes ont ce qu'ils méritent. Moi, j'ai la foi. Qui croyez-vous, Terence? L'église? Putain, c'est parti en cacahuète. Non, non, t'as raison, je suis en slow. Depuis que j'ai enlevé la profondeur de champ, il faut que je sauvegarde et je relance et je vais voir. Mais ouais, il est. Mais j'ai différents bugs. J'ai suivi des cadavres qui sautent partout, je peux pas accéder au stock. Et au tout début, j'avais genre les cheveux d'un personnage qui s'y tirait indéfiniment. Et quand je sauvegarde, ça a pas l'air de sauvegarder les heures. Genre, quand c'est une nouvelle heure, ça redevient 01, 02, 03. Ok, donc je quitte et je relance. C'est terrible quand même. Continuez. Est-ce que ça enlève le truc? Ouais, ouais, il est bien. Ouais, voilà, là il bouge. Comment je mets le stock, c'est ça qui me fait chier. Alors j'aimerais essayer un truc. Parce qu'ils m'ont dit, il y a un mec qui a mis le jeu en low machin chouette et le stock marchait. Synchro. Ah, c'est peut-être pas ça qu'il foutrait la merde, genre. Peut-être qu'il n'y en avait pas à l'époque, j'en sais rien. Alors je sais pas si vous avez modifié la taille de l'image ou non. On dirait que non. C'est peut-être un qui foutait la merde, ouais, vas-y. Est-ce que je dois relancer la sauvegarde? Putain, ça marche pas. Ouais, de toute façon j'ai rien fait. Non, on dirait que... Oh putain, ça rebug. Non, ça buguait tout à l'heure, j'ai pas fait gaffe. Celle d'avant directement. Ok. Si je fais ça. Non, déposer, ça dépose.
Est-ce que c'est d'ici que je l'envoie dans le stock? Ah, je pensais te parler de Diablo 4. Monde de hippie. Si je fais ça, est-ce qu'il arrête? Super. Arrête le breakdance. Arrête le breakdance. Il y en a un là, il s'est... Putain, vous l'avez réveillé. Arrête le breakdance. Arrête le breakdance. Bon, je reviens. Ah non, attendez. Je reviens pas. Il a dit qu'il a mis en l'eau. J'essaie de voir sur le net, mais... Je sais pas pourquoi le jeu en faible, il serait bien. Ouais... Là, j'imagine que je dois... Ouais, mais en faible, ça va être dégueulasse. C'est-à-dire, il faudra que je le passe en faible et je le relance. Oh, c'est deck d'Agui. Ouais, ça bug toujours. Est-ce que au moins je peux accéder au stock? Parce qu'au pire c'est ça, je me fais des pots stock quoi. Tox, comment il va ton fils? Ventox, toi aussi t'es triste de ce café bizarre? Ah bah non, j'ai oublié de quitter pour que ça se lance. Putain. Dans ce cas-là, est-ce que je remets le V5 ou non, vu que ça bug pas? Enfin, ça change rien. C'est-à-dire la saison 1, Blizzard, le nerf de certaines classes et comment ça se déroule la saison 1 quoi. Bon, je reviens. Mais je suis là. Je suis là, j'essaie juste de trouver comment régler cette merde parce que ça va me faire chier. J'ai les semi-conducteurs à vendre, j'ai des trucs à acheter. Hello, non, bah non, ça va pas marcher pour moi, frère. Dead Space Remaster soit un problème graphique quoi, mais moi c'est pas le remaster. Voilà. I can't sell object Dead Space PC. J'ai retrouvé qu'un loup pour trou. Ça c'est le jeu qui veut dire quelque chose. Mais le jeu sera instable. La mi-fin saison 2. C'est dans longtemps ça, non? Ok. Ça va vous prendre plusieurs mois ou années, non? Je sais pas, c'est une saison par trimestre?
Ok, adieu Ventox. À la prochaine saison. Je vais faire ça au pire. Je vais mettre une vidéo YouTube sans son. Saison 3 moins 4. Ok. Dead Space 1. Oh, tout seul. Il doit y avoir un truc, non? Oh là 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 là. Oh là là. Dead Space 1, Infinite Credit Farming Glitch in Chapter 2. Ok. Bah je le ferai pas, parce que je triche pas. Bah écoutez, je suis perdu. Je peux pas vendre des choses. Et ça me fait perdre de l'oseille. Et de la place. Et comme je parle de vendre, The Space One, Bug Stock. Stockage. Ah! Ah! Je crois que ça parle de ça. Non? Non, il parle de tous les glitches, putain. Dorbug, on s'en branle. Glitch argent facile, on s'en branle. Tu veux réparer les mecs? Ils disent non, non, glitch frère, glitch. J'aurais peut-être dû acheter le remake moi aussi, non? Ils l'ont fait exprès, je parie. Ils ont mis un bug, boum. On va voir un truc, je vais faire tout simple, attends. Je vais juste regarder la vidéo d'un mec qui va là. Ah mais ça c'est le remake, c'est pas le remake que je veux. Voilà, je veux juste un mec qui vend. Attention, j'ai le son, mais c'est pas moi. Ok, est-ce que tu peux voir? Comment tu vends? C'est toi. Il vend pas. Putain, il y a pas de vendeur dans le jeu? C'est un péché? Oh bah fuck. Fuck, 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 fuck. Ah voilà, faut-il débloquer quelque chose pour avoir accès au stockage? Tu dois aller dans l'onglet inventaire du magasin et appuyer sur E sur l'objet désiré, tu auras le choix entre vendre et déposer. D'accord! Ok. Ok. Merde, je suis lent encore. Ouais, je suis là en merde. Qu'est-ce que c'est comme... Oh, j'ai changé. J'ai tellement changé les choses, je ne sais plus qu'est-ce que j'ai foutu. Avec, ouais. Bah oui, parce que j'ai mis en faible à cause de leur histoire de merde. Perso. Et j'avais enlevé les deux flous, ouais. Ok, cette fois-ci, je pense que c'est la bonne, les amis. On quitte, on relance. On revient. Et en fait... Je vends là où j'achète et je dépose là-bas. Mais comment je... Parce que je peux pas acheter de ce composant. Comment je le vends le composant? Voilà, c'est acheter et inventaire. Et dans inventaire, j'ai ça. Là, je clique et voilà, putain!
C'est mes trucs à moi. Et moi, je pensais que je pouvais acheter des choses comme un abruti. Voilà. Et donc là, c'est dans le coffre. Ok. Oh là 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 là. Oh là 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 là. On va acheter ça, gazou. On s'achète une arme. Ouais. Faut se faire plaisir dans la vie. Alors comment j'utilise l'arme par contre? C'est quoi le choix des armes? 1, 2, 3, 4. 1, 2. D'accord, il m'a touché. 1 ne marche pas, c'est ça? Ok. Non mais attends, c'est un truc pas logique. En fait, je pensais que c'était le jeu qui bug, moi, avec les mecs qui sautent de partout et tout. C'est pas ma faute, à moi. On va faire ça. Merci d'être... Voilà! Par contre, j'ai oublié sa vitesse de déplacement. Je vais repartir vite fait en arrière, prendre ce que j'ai pas loot. Ah mais merde, tout ce que je pouvais au chapitre 1, c'est mort là. Bon, tant pis. Je vais pas tout avoir dans ma vie, frère. Hein. C'est la 694, je crois. Bon. Voilà. Ouais, il y avait la nouvelle. Est-ce que j'ai... Oh putain. J'avais laissé beaucoup de choses derrière. Ah, les stations ne marchent pas. Ok. Je suis là. Streamlabs. Décidément. Ça, c'est à cause de la carte graphique Aventox, tout ça. Streamlabs, Cloudbot, Cloudbot, il est activé. Et le truc. Mais attends, quoi? Il est pas activé? Girafe. Ils m'ont dit si j'appuie sur une touche, je peux activer Lexus. Mais non, ça va. T'imagines, j'appuie sur quoi? T'es bon, c'est Lexus qui pop à la place. Cadeau. Lexus, je sais que t'es là, lève la main. Donc, je... Alors, module. Ouais, non, je comprends pas. Symbol protection. Protection. Minimum, Cloudbot. Non, c'est pas dans Cloudbot alors. Oh, je suis perdu. Outkit. On peut pas changer son blaze, module chat alert. Mini-game, emballing game, 8 ball, duel, émote pyramide, émote combo. Commande. Ben elle est là la commande. Qu'est-ce que c'est? Ah ouais, non, en fait, ça va être une heure de... Ça va être une heure de vidéo, comme ça. Attends, on va le couper et le relancer, au pire. Peut-être c'est plus rapide. Non. Une liste d'attente. Faudra que je regarde c'est quoi les listes d'attente. Ok.
Scott. Ouais, bon, bah, au moins ça me fait un titre. Hein. Let's command. Vote. Merde. Non, ça marche, quote. Reader random or specific quote. Everyone. Pourquoi? Je sais pas. Alors là, je sais pas. C'est activé. Là, franchement. Désolé. Enfin, je fasse gaffe, ça continue. Mais merde, il faut que je vous remette l'image. Ok, on reprend. Fais point d'exclamation Lexus, peut-être ça va te relancer les stations. Je vais laisser des choses, voilà, on va les prendre. Ah ouais non, vraiment rêve, je sais pas pourquoi. Attention d'avoir un bug en termes de déplacement. Ah ouais, la caisse, elle est tombée sur le bureau, genre. Il m'a dit, bah, tu la vois? Ouais, bah, tu la verras seulement. Est-ce que ça marche, ça? Ouais, j'ai l'air lent. Va falloir que je rechange le truc. Mais je sais pas c'est quoi qui me met lent, en fait. L'arme? Non, oh, j'ai oublié tellement j'ai bidouillé cette merde. La synchro V peut-être, je sais plus. Anti-crénelage peut-être. Non. Le flou. Non, c'est le profondeur de champ. Qu'est-ce que c'est? Je sais plus. On a dû. The comeback. Putain, je peux pas, bien sûr. Ah mais non, attends, je suis bête. Attends, le jeu il va pas me faire chier. C'est quoi ça? Ah, je suis lent, il faut que je sauvegarde et je relance. Il est asthmatique là, lui. C'est terrible, hein, je m'attendais pas à lancer un jeu de 2008, ça fout la merde comme ça. Y'a pas un truc ici, non? C'est bien, je déposerai tout ça. Voilà, super. Si je suis lent par rapport à l'autre, non? Ouais, là j'ai plus d'endu. Ah bah j'ai vraiment tout loot là, d'accord. Ah non, il y a quand même une lenteur, je crois, je sais plus. Ouais, deux balles. Pas fort, hein, je suis désolé, les deux balles. Ah, en vrai de vrai. Est-ce que j'ai tout rechargé? Ouais. Donc, putain, je suis désolé. Je reviendrai pas pour vous, les babales. Sauf s'il y a un truc ici. Ah non, ça, c'est d'où je viens.
La vitesse de déplacement là, ça va ou non? Là, je peux reprendre la route. Juste stocker 2-3 trucs. Ok. Je peux me faire deux trucs de force. Pof, tu dis. Je sais plus si j'ai modifié, quitté, je suis revenu. J'ai oublié. J'ai plus. Non, ça c'était, ça y était. Merde, fallait pas faire. Oh putain. C'est quoi que j'ai dû enlever? C'est quoi que j'ai dû enlever? Mouvement peut-être. Tu sais quoi, on va tout mettre. Ah oui, je peux au truc de stock. Donc ça va pas sauvegarder que j'ai vendu mes trucs, quoi. Bah oui. J'ai plus de galère contre le menu que contre le jeu, quoi. Non, j'aurais dû en garder un sur moi. Ça, en vrai, j'aurais le vendre, non? Non, garde-le, garde-le. On sait jamais, un jour que t'en auras besoin. Les missions, j'ai besoin d'autant. T'en stocker le jour où je suis dans la merde, non? En plus, je pourrais pas les stack, donc... Faut dire quoi? Un... 2, 3, 4, et j'en garde 4. Ça passe. Ça, je sais pas si c'est pour mon arme, donc déplacer. Je pense que c'est peut-être l'arme. Le tir facultatif. Ah, c'est peut-être avec cette arme que je suis plus loin. Oui. J'ai eu le flashback de tous les trucs que je pouvais pas ramasser. Il y avait une petite merde qui marche par bien vite. Je sais pas si j'améliore la stase ou autre. C'est quoi ça? Je sais même pas c'est quoi ma rue, le macro Pékin. Stase, j'ai payé les points, il faut que j'assume. Mais j'aurais peut-être dû améliorer ça, la force et l'air, ouais. Cutter plasma, c'est l'arme de base aussi. Bon, j'ai investi en toi. Ah merde, bah oui, j'ai utilisé l'autre point pour ouvrir l'autre connerie. Bon, merde, la stase dure plus longtemps, pourquoi pas. J'aurais dû faire le stock. Ah, je peux faire une télékinésie plus forte, d'accord. Ouais, non, je suis plus lent. On se détend. Non, on se détend pas. Allez. Ça se recharge pas cette merde. Donc c'est des balles d'assaut en fait, d'accord. Ouais, on va en
pense que je sais gérer. Merde, j'ai mis une petite bombe. Ok, encore une histoire d'électricité. Ça va être la France, ça, dans quelques années. Oh, je suis bête. Je viens de comprendre, c'est pas une bombe. Oh là là. Et il va m'exploser le game. Le cadavre de l'autre mec là, il est en train de devenir ouf. Non, c'est l'autre touche. Ok, pourquoi la stase? Le mec que j'ai tué tout à l'heure là, il va exploser, mec. Merde, j'ai pas beaucoup d'air. Parce que tu m'as bouffé quelques secondes. Boss, ça s'est rechargé, voilà. Bon, y a pas des connards dans... Non. Ouais, je suis étonné, parce qu'entre les zones sans air, ça devrait pas m'éjecter dans l'espace. Sans vous, y a de l'air, y a pas de l'air. Oh oui, 10 000 balles. Donc là, il y a de l'air. Vous savez, l'Ishimura gère la gravité indépendamment en plusieurs points. Vos bottes de gravité s'activeront dans toutes les zones sans gravité. Ça me fracasse, on dirait qu'il voit tout ce que je fais, lui. Ok. Ah, casse-toi, tombe. Vous activez la gravité. Ah mais je peux pas me déplacer, frère. Ok, d'accord. Ah mais je peux pas le pécho d'ici. Lui. Non, je suis trop loin. Aïe. Oh, il a fallu que je le fasse. Ah, je suis pas mort. Qu'est-ce que je suis censé foutre? Tomber? Je n'ai pas sauté.
Oui. Je sais pas. Peut-être il faut que j'attende. Ouais, peut-être aussi il faut que je fasse ça. Bon, je vais être dans la merde. Ça va prendre du temps, hein, je préviens. Comment je suis censé pour que ça, ça va là. Putain, ça aurait été le coup de l'année si j'avais réussi. Oh non. Oh non. Je crois que je viens de me softlock, les amis. Putain, plus jamais je me plains des temples sur Zelda Breath of the Wild. Non, j'ai utilisé une bombe, j'imagine. Je voulais pas, mais bon. Le résultat a pu, je préviens. Oh là 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 là, j'ai réussi à me softlock définitivement cette fois. Il n'y a pas moyen de voilà, de te balancer en face. Puis il est vraiment genre, il peut pas Isaac. Isaac c'est trop pour lui ça. Je peux pas sauter vu qu'il n'y a pas de gravité, non? Chris, tu dois te marrer. Mec. Sors-moi de cette merde. Oh le jack shoot. Vous avez un truc là? Ça se réactive pas, non. Et si je pars et je reviens? Va falloir que je refasse toute la séquence dans l'espace, carré. Sortie zone sans gravité. C'est, je suis méchant. Non, tranquille, tranquille. Ça va pas réactiver la gravité, non. Oh, c'était pas comme ça, non. Zone sans gravité. Si, 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 c'est comme ça. Ouais, ouais, ouais. Je vais ce jeu. Je suis sûr. Je regarderai sur YouTube. Ça doit être un mec qui vient. Oh, c'est basique ça. Tu sais, c'est en deux clics, il te le fait. Je sais que je vais rester une demi-heure ici. Non, casse-toi. Oh. Non, non, tu vas. Non.
je fasse ça. Et genre, je le lance là, et voilà. Comme ça, ça va là, je tire, ça les éjecte un peu partout et je me démerde. Il y avait un deuxième bloc, mais je le vois pas. Non, frérot! C'est interdit par la convention de Genève, ce que tu me fais là. Bon, attends, attends, viens. Attends, d'où tu... Ouais. Non, non. Il est où le gros truc là? Ah, même Isaac il est gêné de mes prouesses. Il y avait un gros truc tout à l'heure. Oh merde, j'ai réveillé son bug lui. Ah non, ça s'est arrêté, merci. Non, pas vers la porte, putain. Ah mais si je fais ça, forcément, ça s'éloigne. Je pense que je peux que ressortir et revenir et espérer faire un truc. Alors là, je suis dans la merde par contre. Sortie zone sans gravité. Entrée zone sans air. Sortie zone sans air. Entrée zone sans gravité. Un gros cylindre, vous pouvez rêver. Ah voilà, ouais, voilà. Merde. On va là-bas. Pousse un truc, je sais pas, provoque des... Putain, il me l'éloigne. Le cylindre, casse-toi. Oh merde. Je vais perdre toutes mes munitions ici. J'en avais plein là, je vais être en retard. Oh si c'est bon. Qu'est-ce que je peux foutre? Non. Ah, je vais devenir ouf. Là, je sais pas. Parce qu'il y a peut-être un moment, j'aurais dû améliorer la télékinésie. Gravity Boot. Ah, c'est peut-être parce que j'ai Gravity Boot que je peux pas aller de l'autre côté, tout simplement. Entrée zone sans gravité.
Ouais, il est là le cylindre. Si je fais ça. D'accord. Ça donne pas la poussée, d'accord. Sortie zone sans gravité. Marquée zone sans air. Le mec il craque, c'est... Il... Ça me ramène là où j'étais. Sortie zone sans air. Là je me déplace tout ça pour les sauvegarder et tout, flemme. Oh là là. Il n'y a pas de point. Ah si, oh merci. En supposant que ça remet les choses à leur place sans que je reprenne l'ancienne sauvegarde, parce qu'en plus je pense que je l'ai pas vu la première fois, donc j'ai pas save, donc au moins si j'ai mis une save, bon c'est juste je refais le trajet, ce qui serait déjà chiant, mais quand même. Mais là parti pour un moment, hein. Sortie zone sans air. Non, c'est les choses. Zone sans gravité. Celle que j'avais laissée. Il y avait un deuxième bloc électrique que je ne retrouve pas. Il y en a un là, mais il est où le deuxième? Il est là. Mais c'est quoi ce foutage de gueule? J'ai pas assez de portée, j'aurais dû améliorer quoi avec la télékinésie là. Ah non là, tu vas être proche. Attends, je t'ai pas vu toi. Ah non, ça arrive pas là. Bon, faut que je fasse genre... Oui. Oh l'enfoiré. Ouais. Est-ce qu'il y a des bombes ou autre chose qui ripop, non? Tant que le mec il commence à péter les plombs lui aussi. Non toi reste là-bas genre. Attends. Merci. Coup de projectile. Voilà, on va créer des interactions. Balancer un peu partout. Malheureusement, je vise mal. En fait, je devrais le tirer comme ça, peut-être. Ouais, je... Toi, je peux pas, genre.
méchant. Oh, je suis en train de perdre toutes mes balles. Sortie zone sans gravité. Y'a rien qui peut m'aider. Je suis vraiment kéblo. Hein. Je vais pas la réussir tout de suite celle-là. Je sais pas comment le faire. Entrée zone sans gravité. Je vois que des fois ça me bouge des choses, mais. Je pense vraiment que je vais être Keblo là, les amis. Esprit là, pourquoi pas essayer de la rentrer avec une balle? Vas-y, vas-y, au pire, monte sur l'explosif, non? Putain, j'éloigne les choses. Les balles, laisse tomber. Oh. Mince, il peut pas viser plus bas. Oh la dinguerie, quoi. Faudrait que je prenne le cylindre et je tente de le creuser. Il est où le cylindre? Ah, même lui maintenant il est trop loin, putain. Ok. Je pense que je vais être bloqué là, les amis, hein, pour de vrai. En fait, je pense au tout départ, j'aurais dû mettre une bombe, tirer dedans, ça m'aurait blessé, mais ça va tout droit, boum, ça aurait été fait. Je me suis moi-même mis dans la merde. Sortie zone sans air. Je me serais soigné. Puis point barre, mais là j'ai ni la bombe ni le truc, quoi. Donc, c'est... zone sans gravité. C'est ultra compliqué. Ouais, genre voilà. Là, je me mets là. Genre voilà, boum. Je tire peut-être. Putain. Non, ok. Chris doit être mort derrière sur son canapé. Qu'est-ce que je peux foutre? Il faut que j'arrive à obtenir une bombe en fait. Il y en a que une qui est en haut. Est-ce que je balance le cylindre en espérant pousser la bombe pour la récupérer et faire ça? Sortie zone sans air. Entrée zone sans gravité. Sortie zone sans gravité. Ah, je peux pas te sortir, dommage. Bon, ok, entrée reste tout zone est. Sans gravité. Non mais reste tout est, Douzi. Ok, maintenant en fait, faut que j'arrive à débloquer la dernière bombe. Ça va pas le toucher. Je vais espérer que ça rebondit. C'est pas. C'est une zone sans gravité. Dommage que Streamlabs ne fonctionne pas.
Et bien sûr, si j'appuie sur la bombe, elle explose. Putain de merde. Attends, je peux pas le loot. Ah non, il n'y avait pas celui qui est tout en bas là que je pouvais pas. Ouais, ouais. Ok. Toi, file-moi un coup de main. Oh, mais Clary, il faut que je mette la bombe. C'est impossible. Non, fallait aller vers le haut. Par contre, je sais pas pourquoi le sac il arrive à aller le chercher, mais d'autres choses non. Ah, d'accord. Là, je vais me sentir grave bête là. Oh mon dieu. Me dis pas, genre, attends. Putain. Oh non, ça doit être ça. Ok, c'est rien, on va y arriver, on va y arriver. Je me sens grave bête. Oh putain, il suffisait juste de tirer. C'est-à-dire si je vise bien, je tire et c'est réglé quoi. Ah, je vais mourir. Oh Chris, je suis avec vous. C'est trop pour moi. Je suis en train de faire des calculs mathématiques. En plus, tout à l'heure, je jure que quand j'ai lancé, il aurait pu rentrer. Il y avait une fois, c'était presque, il y a une fois, bof, mais... Moi, je faisais des calculs, hein. Il faut que je balance un sac sur un cylindre pour pousser un mec et... Entrée zone sans gravité. Ok. Attends, viens là. Ouais. Ouais. Ça bouge pas, bouge pas. Lâche comme ça. Lâche comme ça. Non, non, c'est une arme de merde. Reviens. Non, tu vois, je vise trop. Comme ça, voilà. Là, je vise bien. Oh, 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 le jeu, il m'a fait vas-y, frère. Oh, je suis mort. Le jeu, il a fait vas-y, t'inquiète. C'est bon, ça marche. Je peux pas enlever la gravité? D'accord, mais qu'est-ce que je suis censé foutre, là? Attends, quoi? Pourquoi ça marche pas? Tu te fous de ma gueule? Je peux marcher au plafond? Ah, j'ai eu peur pendant un moment, gros. J'ai cru, ouais, bah oui, t'as la pote, tu sais, sans grave, quoi. Tu viens, tu marches. Alors là, je sais pas. Ok, j'ai mis l'électricité. Mais encore. C'est-à-dire la porte elle s'ouvre, oui, mais moi comment je... Ah, je tire, je m'éjecte. Je peux pas me staser moi, non. Hey, what? Je crois que je vais aller voir sur internet. Je pense, je sais pas. Attends, je reviens. Qu'est-ce que je suis censé faire? Alors là, pff, là franchement je sais pas, parce que j'ai mis le truc électrique. Il doit y avoir un mec qui a dû être bloqué, j'imagine. Ouais, super. 10 minutes, eh, c'est beaucoup. Hein. T'es ouf, non, la salle sans gravité. Ouais, oh, t'as pas la même arme, quoi. C'est quoi ça? Non, t'arrives à voler? Comment tu fais? Attends. Attends. Your arm or counter will flash red if you can jump to the surface. T'es en train de me dire depuis tout à l'heure je pouvais sauter?
So we have gravity boots that keeps us stuck to the surface below our feet, which may or may not be the floor. And we can use zero G jumps to get around. So just aim, press the zero G jump button. And if you get a red thingy like that, you can't go there, okay? Je vais me radicaliser. Attention, hein. Radicalisation immédiate. En fait, donc je peux faire ça. Mais là, ça veut dire que... Non, pardon. Comment je saute? Non. Ah, c'est comme ça qu'il y a Switch. Ouais, mais comment je saute, frère? En gros, quand il y a ça, ça veut dire que je peux sauter. Quelle est la touche de saut? Mince, je voulais pas me heal. Putain, je peux tenir l'arme à deux mains ou non? Tu vas dessus. Le mec il fait exploser le jeu. Ok, en fait, je vais être bloqué dans une salle tellement vacille. Demain, ce sera pas Dead Space. Run away. This door is locked. Okay, we're out of the vacuum, and now we're in an area where we can turn it in. Switch, okay? Everything's at normal gravity now. Where's the gravity control switch? And everything floats up in the air, and we go into zero gravity. So we have gravity boots that keeps us stuck to the surface below our feet, which means désolé, il a pas en anglais et tout, mais je prends de comprendre. And we can use zero G jumps to get around, so just aim, press the zero G jump button, and if you get a red thingy like that, you can't go there, okay? Ouais, mais comment tu sautes, enfoiré? As long as you don't get a red thing, red flashy thingy, you can go there, okay? Just fly around. I love this shit. Ah. D'accord, non, c'est là où je... Putain. C'est quand c'est rouge que je peux pas. Attends, j'ai filmé le truc. Ouais, non, j'ai remis la cam. Là, j'ai envie de me radicaliser de ouf. C'est un truc basique. C'est-à-dire, des fois, il y avait une boîte qui était là, j'avais juste à sauter, c'était réglé. Combien de munitions, combien de personnes? Putain, j'ai oublié le jeu. Oh, je peux plus avancer ou quoi? Sortie zone sans gravité. J'ai oublié comment on joue. Genre, qui suis-je? Où suis-je? Putain. Bien. Vous avez trouvé. Utilisez ça avec la thermite pour détruire la barricade. C'est exactement ça, frère. Merde. On dirait qu'il s'approche. C'est en train les conduits. Faites gaffe. Zone sans gravité. Ah non, toi tu sais sauter, ça l'enfoiré. Bon. Oh, ça vient dans mon fiac. Bien joué. Merde, je peux pas tirer quand il vise pas. Ah, moi aussi j'ai perdu la tête dans cette salle, frère. Aïe. Ah non, tu payes pour tous tes cousins. Lui il a du manuel. Ah bah ouais, non, lui c'est le manuel, lui il devait être. Ah, t'imagines les monstres? Il devait être en mode putain, mais qu'est-ce qu'il fout?
devait m'attendre le mec. C'est bon, j'ai pas dit Anna cette fois-ci. Putain, il m'a attendu 5 ans l'autre. Pourquoi t'es pas happé dans l'espace? Sortie zone centrale. Alors je pense pas que ce soit possible. Attends, sauvegarde frère. Parce que vu le temps que j'ai passé à faire ça là. Putain je suis mort Chris, je suis mort. C'est quoi, je suis mort ou non? Je suis rincé. Je suis en mode qu'est-ce que je dois foutre et tout. Je faisais des calculs et tout. Wow! Je l'ai vu. Je l'ai vu avant qu'il arrive. Enfin avant qu'il pète la truc. Il doit y en avoir d'autres, non? Ah oui, attends. J'étais en mode, est-ce que je devais augmenter la stase? Enfin non, la télékinésie, j'étais en train de faire des calculs. J'ai vu que mon arme, elle change. En mode, est-ce que c'est ça? Est-ce que je suis un kiwi? Oh là, oh, je suis un kiwi. Oh putain, ils m'ont fumette. Oh, ma première mort. Je suis un kiwi. Oh, merci pour le point de sauvegarde juste pas loin. Enfin, ah ouais. Non, mais on s'en fout, je veux les... Voilà. Tu nous as fait attendre... De ouf, hein. En vrai, j'ai tenu longtemps. Non, c'est vrai, t'as raison, je m'attendais tellement à mourir plus tôt. En vrai, de vrai, j'aurais dû mourir plein de fois. Evil Weaving, j'étais mort je sais pas combien de fois déjà, frère. J'ai progressé. Mais là encore, j'étais vraiment... J'en avais marre, kiwi et tout. J'étais vraiment en mode... Mon cerveau, il répond plus, tu vois le délire, non? Lance flamme, on l'achète. Petite recharge, l'autre. Avec deux points de force, ça me fait rêver les trucs aussi. Non, je suis désolé, je vais acheter les points de force. Ah, à toi de voir, tu veux un lance flamme ou tu veux les points de force, dis-moi. Les points de force, j'avoue, sur le long terme, ça m'aide. Yeah, ouais, non, vu le yeah, vas-y. Ok. Full life, mais attends. De toute façon, le point... Ouais, vas-y, on va faire ça. Je fais un petit aller-retour. Vendre, oui. Trancheur, j'aurais peut-être dû acheter le trancheur en vrai, je sais pas. Qui est-ce que je voulais acheter? Un point de force, oui. J'améliore le gun de base, parce que le gun de base, en vrai, je pense que je vais le garder longtemps. Save, c'est non, je pense. Les petites merdes, elles m'auront fumé quand même. Hein. C'est bon, Harris il s'est endormi avec mon sédatif dans le fliac. Moi, tu me demandes si tu prends un lance-flamme? Bah, ouais, parce que je suis un gentil. Ok. Je vais quand même faire le gain de base, mais pas mal.
plus de dommages, plus de capacités, c'est j'encaisse plus de munitions. Donc ça me fait plus de place, je pense. Enfin, ça sera mieux, ouais. Pas de plus de dommages, ça aurait peut-être été le must. Quatre munitions. C'est quoi ces deux merdes? Une munition pour trancher. Ah, et que je n'ai pas. Donc il faut que je le range. Faut que je range pour être super safe. Je save et on pète le truc. Et on fait le lance-flamme, bien sûr. Attends. Tiens, je peux vendre et déplacer les trucs. Bizarre. Je m'en souvenais pas. Tu me diras, je me souviens pas de plein de trucs. Le lance-flamme, c'est la touche de... Non. 1, 2, 3, 4. C'est la touche 4. Ok. On testera contre les prochains ennemis. Je dois pas me mettre à l'abri ? Mais il est con. Clinique Ishimura. Donc je vais chercher le truc du capitaine. La voie vers la morgue doit être libre. Souvenez-vous, les codes sont sur le corps du capitaine. Oui. La morgue. Vraiment, il faut que je l'aime, ma femme. Ici l'officier médecin-chef Nicole Brennan. Mais elle a une surprise pour moi. Nous avons besoin d'aide. Nous manquons de ressources ici pour traiter ces patients. Personne ne veut nous dire ce qui se passe. Chris, tu connais pas l'histoire, non? S'il te plaît, nous ne sommes pas équipés pour soigner ces... Non. Mettez-le sur la table. Tenez-le, bon sang. Tenez-le bien. Merde. Fin de transmission. C'était Nicole. Je ne sais pas de quand date ce message. Mais elle doit être quelque part ici. Mais ça, franchement, je suis d'accord. Heureusement, il y a sa femme. Parce que franchement, s'il n'y a pas sa femme, je comprends pas. Et j'aurais été en mode aux autres. Non, non, les gars, on va bosser tous les trois ensemble. Ok. Tu peux venir vers moi ? Ça veut ouvrir les portes? Pourquoi ma maman... Le rythme cardiaque qui me fait peur. Pète la porte. Vas-y go, blesse-moi. Salve. Il y en a un deuxième. Derrière moi. Est-ce que ça me donne le combustible à chaque fois des armes que j'utilise? Une fois que je l'ai débloqué, ça apparaît. Oh merde, faut que je recharge. Brûle, brûle, Babylone... Merde. Oh, ça l'a achevé. Oh putain. J'ai vu un résumé il y a quelques années, mais ça m'a un peu sorti de la tête. Ok, ah bah c'est bien, c'est bien. C'est bien pour toi. Moi j'ai oublié, je te cache pas que ça date. Mais tu vas avoir quelques surprises, frère. Oh putain, le bug. Ouais, je savais bien qu'il y avait des mecs aux fenêtres. Mais il y a laquelle? Non? Ah, c'est les cadavres qui font le bruit. Je vais tellement rater de trucs à cause de ça. C'est quoi ça? Une pompe à oxygène? Pourquoi? Merde, mon casque. Plus là, je le mets à recharger. Tu sais que franchement, j'aurais peut-être vous faire Project Callisto.
Alors, si je dis pas de la merde, ça n'a aucun rapport avec Dead Space. Cependant, je crois que c'est les gens qui ont fait Dead Space qui ont fait Project Callisto. Un jeu qui est sorti cette année ou l'année dernière. De tête. Non, mais je me disais peut-être qu'il. Je vais avoir un truc sans oxygène, genre. Février. Ouais, voilà, intéressant, je me disais bien. Ah bon, ça, ça pue. Et merde. Oui, 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 non, non. Il est cherché ça, Daron, lui. Hein. Ok, ce protocole. Ouais, voilà, non, désolé, je sais plus le blaze exact. Par contre, je l'ai pas fait, donc j'ai aucune idée. Peut-être il claquait, peut-être il super, je sais pas. Merde, sur ma droite, ouais. Reste encore quelqu'un, calme-toi. En fait, je suis obligé de viser. Sur la droite, il y en a encore un autre. Oh, le cri est abominable. Alors ça, c'est un jeu, par contre, ouais, je suis obligé de bouger. Enfin, non, parce qu'il y en a d'autres, des fois, tu sais. Ah ouais, non, le jeu, il va me donner la chiasse. En fait, je te jure, ça m'augmente la difficulté, c'est pas pour faire le mec. Parce que comme tu te repères surtout avec le bruit... Voilà. Allô, est-ce que quelqu'un me reçoit? Je m'appelle Hélène Fisk. Je me réveille juste d'hypersommeil. Je suis seule. La fille du caïd. Qu'est-ce qui s'est passé ici? Tout le monde est parti. Je vais tenter de trouver quelqu'un. Si vous me recevez, venez m'aider. J'entends comme des rats dans les murs. Qui est-ce? Qui êtes-vous? Vous êtes médecin? Où sont passés les... Vous êtes médecin? Oui. Oh oui? Je vous connais. Vous êtes Harris, le prisonnier de la colonie. Et vous avez tué cette infirmière! Pitié! J'ai un fusil devant la litière d'animation. Demain, quand je vais mettre le clip, crie sur un mec qui va crier là! Tu peux pas le. Ah merde, qui je mets ça? Oh merde, il loose, Splash, vas-y, c'est ça. Oh bah tiens, Splash. Oh putain. Merde, ça va pas bloquer le pont. Chris vient quand quelqu'un il follow, ça met le cri. On va tous se chier dessus. Oh le oh là là, oh là là, oh oh oh. Mon jeu il va exploser hein. Attends, je crois que j'ai reçu des balles, non, non. Position forcée de scénario? Absolument. Le... C'est vous, Harry, de la compta? Qui habitait au 32 avenue Paul Morigo? Tu vois, un truc comme ça? Non, je suis d'accord. Je suis d'accord, de ouf. Votre numéro de carte bancaire est le... Non, 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 j'avoue, ouais, c'est un truc de malade. Du style, tu m'aurais fait, mais je vous reconnais, vous, et après, ok, tu vois, mais même U-Ball aurait posé sur les logs. Lui qui avait fait le film Postman ou je sais plus, non, c'est pas Postman, ça c'est Kevin Costner. Lui il avait fait un film avec un facteur. Deux films, je crois, comme ça. Ok, ça c'est un couloir un peu trop long.
Pour qu'il n'y ait pas d'emmerde. Qui a fait ça? Les troubles de la colonie m'inquiètent beaucoup. Je pense que ces problèmes sont liés à la découverte du monolithe, mais la nature exacte de ce lien reste à établir. Près de 40% des colons présentent des symptômes de démence dégénérative. Postal, merci. Les plus visibles sont les tendances dépressives, insomnie et hallucinations. Des réactions violentes allant même jusqu'au meurtre indiquent aussi une paranoïa extrême. Le docteur Mercer m'a conseillé d'en faire venir quelques-uns pour les étudier. Le docteur Wayland, psychiatre de... Putain, les Wayland, c'est jamais bon entre ça et Alien. Les analyses ne l'ont mené nulle part. Je ne suis pas sûr que l'idée de Mercer soit la bonne, mais j'ai besoin de son aide. Nous devons trouver des réponses rapidement. Putain. Putain. Waouh! Oh, ça pue. Voilà. Le nouvel objectif, c'est quoi? Mais on s'en fout là de la tchatch, attends frère. Oh putain, bah tu m'étonnes, j'aurais dû tuer les cadavres. Coucou, tu pètes la fenêtre? Ah non, attends, je crois que je vais... Ah. Wayland, ici moi, c'est blindé de rêve de ouf, hein. Ah, peut-être qu'on ignore en vrai. En vrai, peut-être. Putain, je te jure que ça m'aide pas, parce qu'au moins avec le bruit, je peux me repérer, mais comme il y a du bruit partout avec ce système-là... Mais ouais, chose comme ça, Riz, je vais te dire. Si demain je suis bloqué, j'essaie de survivre. Mais si demain, genre, j'ai... Je vais pas dire le choix. Genre, j'ai personne à sauver, j'ai pas une femme ou une connerie. Je me casse. Bishop. J'aurais bien aimé. Voilà, comme ça le sus alien, il peut pas te transformer. Résistant, c'est pas moi qui vise mal. Ah donc il faut jamais améliorer mon arme de base. Peut-être une replay aussi. Oh. Isaac. Je ne sais pas comment il a fait, mais un de ces salopards m'a trouvé. J'ai réussi à l'enfermer dans une capsule de sauvetage. Ouais, c'est moi qui vais me démerder avec. J'annule le verrouillage tout de suite. J'ai accès au pont. Je ne sais pas bien ce que sont ces choses, mais elles viennent de la planète brisée en dessous. Ça a commencé en bas, puis s'est monté. Isaac, ce n'est pas infectieux. C'est une autre forme de vie étrangère. Merde, on a un gros problème. Les moteurs sont coupés et on dévide notre orbite. Rejoignez la zone d'ingénierie au plus vite. Je reste ici pour en savoir plus sur le problème. Je suis mort. C'est pas infectieux. Ah frérot, attends, si le Covid il te transforme comme ça, oh putain, il m'a dead là. C'est pas infectieux. Là frérot, c'est sûr, avec un masque FTP, t'étais quand même dans la merde. Pourquoi la musique? Je vais me faire enculer pendant le truc là. En charge, je dis pourquoi pas. Je dis pas non, comme ça je me fais un double boost. Ouais, on va faire ça. Il m'a dead. Je vais aller faire les points de force si je peux.
Ce n'est pas infectieux. T'as le haut qui est rendu pauvre, quoi. Ah, l'ambiance, elle me tue. Parce que tu sais, j'ai le casque. Et genre, j'entends, ça court partout. Ça me rend malade. En parlant de Covid, tu as vu ce qu'on fait ces fous de chinois? Oula, non? Qu'est-ce qui se passe? Ok, comme ça, plus de dommages, ouais. Plus de recharge, pourquoi pas? Parce que c'est vrai que je me suis fait douiller tout à l'heure en termes de recharge. Ça je peux pas, mais ça j'avoue que si je faisais genre... un... ouais mais non, je serais obligé d'en claquer un là. Mais ce point là, il serait pas mal, parce que si je fais ça quand même, ça m'en fait 5. Tranquille, 6. À voir. Orange ? Non, non, ok. Vas-y, il se passe quoi la capacité, j'avoue, pourquoi pas. Le lance-flamme. Monter les capacités, ça serait pas mal. Après, malheureusement, il faut que je claque un point, point. Et 1, puis 2, hop 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 hop. Ils ont réussi à inoculer une maladie. Oh putain, pardon. C'est vrai? C'est pas une... Putain, dans la merde cette histoire encore. J'ai plus d'air, je sais pas si ça valait le coup. Oh, j'aurais dû faire ça à la portée. Bah ça, vas-y, je vais investir mes points là-dessus maintenant. Toi, je sais pas c'est quoi le mieux. Parce que si je mets un point là, je gagne ça et ça. Ça, c'est la merde, ça. Ça, c'est vraiment la merde, Chris. Parce que si j'imagine que l'inverse est possible, alors. Et pourquoi? Quel intérêt? C'est expliqué comment, genre? On inocule une maladie humaine à une chauve-souris, pourquoi? Parce que ça, c'est le genre de connerie, la chauve-souris elle-même, elle a une maladie et ça part en couille. C'est pas Skynet qui va nous finir, c'est Batman. Franchement, je sais pas. Entre Hanouna, Skynet, les mecs qui disent l'écologie, la troisième guerre mondiale possible à cause des États-Unis, fin de l'OTAN même, l'Ukraine, la Chine et le Japon, la Corée et le Japon, la Palestine... En Amérique du Sud, il y avait je sais pas quoi qui se passe. Les BRICS. Les Kiwis. Je crois, non, je me casse. Hein. Il a un avantage, il attaque que le cerveau. Ah, mais tu vois le mec là qui est venu et qui a transformé le cadavre en autre chose. C'est la même chose, Hanouna, il transforme, frère. C'est Starship Trooper, il te suce le cerveau. Attends, je vérifie juste un truc, frérot. Parce que ouais, j'ai la vidéo de l'autre mec qui tourne depuis tout à l'heure. Ouais, je me disais bien, j'entendais un autre truc. Je sais pas quel monde je vais laisser à mes gosses. Bah déjà, t'es là, frère. Mais ouais, non, je te comprends. Je te comprends. Est-ce que je vous fais le chapitre 3 ce soir ou non ? En plus, je crois que c'est là où je commence à avoir les grosses vaches. Ça va pas être Jojo à bas là, du tout, hein. Du tout, du tout. Parce que si je fais ça, je sais que je suis pas. Oh, il est déjà 1h du mat en vrai. Parti jusqu'à 2h du mat, je pense facile, vu que j'ai pris au moins 1h pour. Ou alors je garde, je fais ça, 2 chapitres, ouais. Il y a combien? 12 chapitres, ouais, 6 streams. Pourquoi pas en vrai? Pourquoi pas si je vous fais ça, non? On pourrait faire ça, non? Il faudrait 6 streams, j'en fais 2 par semaine. Ça voudrait dire en théorie, si tout va bien, dans 3 semaines, en ne comptant pas celle-ci, je termine Dead Space. Ce qui voudrait dire si tout va bien dans le meilleur des mondes, parce que bien sûr, il peut toujours se passer des choses. Le 21, 22, 28, 29, 4, 5,
Ça voudrait dire le 11-12 août, je vous fais Dead Space 2. Il y a moyen d'avoir Dead Space 3 pour... Oh non, au pire, si je termine pas en septembre, j'aurai Lies of P et un autre jeu qui sort en Starfield, ouais. Oh non, ça peut être pas mal. Je suis désolé, hein, je suis en train de calculer mes trucs des fois. Je pense que je vais m'arrêter là. Comme ça aussi, ça fait pas une trop grosse vidéo YouTube. Écoutez, bonne nuit et bonne soirée. Chris, perds pas espoir. T'es toujours là et je suis toujours là. Dans le sens, il y a toujours des gens normaux. J'espère. Et voilà, je pense à demain, je sais pas. Parce que la partie avec la gravité, elle m'a un peu fait chier. Donc à demain pour du Dead Space ou peut-être pour un autre jeu, je verrai bien. En tout cas, pour le jeu du dimanche, je vous ai trouvé, je vous ferai quoi. C'est un jeu qui s'appelle... s'appelle Perlimpinpin. The Wandering Village. En gros, je dois gérer un village sur le dos d'une créature immense qui se déplace et ça peut être intéressant à voir, je pense. Ou peut-être Homestead Arcana pour le finir, je ne sais pas. En tout cas, dormez bien et à demain pour le clip pour Hanouna. Ciao ciao, bonne soirée, bonne nuit et n'oubliez pas. Merci d'être un abruti.